Santé Pluriel. Santé Pluriel. Radio Côte d'Ivoire vous informe au quotidien sur votre santé à travers votre magazine qui aborde les problèmes de santé. Santé Pluriel, avec la caution scientifique d'experts nationaux et internationaux et aussi l'interactivité avec nos auditeurs. Les poils qui sont penchés, tordus, comme si on a mis des bigoudis dedans là. Ça, c'est pas brosse à dents. Il faut s'en débarrasser. Non, s'il y a le rhumatisme chronique, que les nerfs sont affectés, j'ai un problème de synovie, que les nerfs ne peuvent pas se dresser. Je peux avoir un problème de faiblesse sexuelle. Retrouvez Bintou Sanogo du lundi au jeudi de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Santé Pluriel, parce que la santé est notre bien le plus précieux. Nous sommes toujours avec notre docteur Aignan Kouakou Vivien. Il est docteur en nutrition, il est spécialiste en formulation de régime. Avec lui donc, nous abordons ce sujet très très important. Docteur Aignan, alors quelles sont les solutions? Les solutions sont évidentes. D'abord, le sujet qui a ce genre de choses, quand il mange, il doit faire des efforts pour ne boire peu d'eau. C'est-à-dire quand il mange, il doit boire peu d'eau. Quand il mange, quand il finit de manger, il doit attendre un peu avant de se lever. C'est-à-dire, s'il a fini de manger maintenant, il doit attendre au moins 15 à 10 minutes avant de se lever. Mm-hmm. Quand il finit de manger, immédiatement, il ne se lève pas et puis il va. Mm-hmm. Troisième chose, oui. Ce sujet doit se méfier de la viande rouge ou du lait. Oui. D'autres aliments qui sont difficiles à digérer. D'accord. Aussi, ce sujet doit pouvoir éloigner les sucres, c'est-à-dire les boissons sucrées, les sodas ou d'autres aliments à côté de la nourriture qu'il est en train de manger. Par exemple, s'il est en train de manger son foutou ou bien autre chose, mm-hmm. il doit éviter de prendre des boissons sucrées oui. qui sont juste à côté pour ajouter sur la nourriture qu'il est en train de manger, sinon ça va se fermenter vite. D'accord. C'est en cela que les gens vont dire il faut manger le fruit avant ou après. Voici des cas concrets. C'est-à-dire ce sujet doit pouvoir manger soit son fruit 15 minutes en avant mm-hmm. ou 15 minutes après son repas. D'accord. Au risque de ne pas mélanger au grand glucide, c'est-à-dire le plat de riz bien de foutou qu'il a, ou ne pas que ça se fermente et que ça ballonne son ventre. Voyez. D'accord. Donc, il y a plusieurs stratégies comme ça mm-hmm. qu'il doit pouvoir utiliser. Mm-hmm. Il doit le savoir que les concombres mm-hmm. et les choux et ail et autres deviennent encore des problèmes pour lui. C'est pourquoi souvent c'est triste et les gens ne savent pas, ils tombent dedans, ils vont manger des crudités. Mm-hmm. C'est là encore, mais ils deviennent encore vulnérables. Donc là, le chou, l'ail, concombre, mm-hmm. oignon, gingembre, miel, tous ces éléments doivent être réduits drastiquement. D'accord. Surtout okay. quand ils sont crus, ça a entraîné beaucoup de ballonnements. D'accord. Okay. La viande rouge, le lait, tout ça. Mm. Ok. On revient en quelque sorte quelques informations. Solutions faciles à faire à la maison. On va toujours continuer avec les solutions. Les solutions, on a plusieurs solutions. D'abord, de façon personnelle, les gens doivent pouvoir comprendre que pour éviter la fermentation de ce qu'ils mangent, ils doivent éloigner les sucres de leurs repas principaux. D'accord. C'est-à-dire, s'ils mangent du riz, ils doivent savoir que quand ils finissent de manger son riz, il doit éloigner tout ce qui est sucré de sa nourriture qu'il vient de manger. Mm. Ça sous-entend que s'il finit de manger son riz, bien son foutou, bien son igname, il ne doit pas boire des boissons sucrées. Okay. Que ce soit des jus nature, que ce soit des jus artificiels, des jus, n'importe quelle boisson qui sera sucrée en compagnie de sa nourriture, va fermenter sa nourriture. D'accord. Donc, les boissons sucrées, ça peut être des boissons sucrées qu'on peut acheter partout, ou bien ça peut être des fruits, c'est-à-dire les jus d'orange, les jus d'ananas, des papayes, tout ce qu'on a comme jus. D'accord. En gros, c'est-à-dire éloigner les desserts du repas principal, que ce soit en avant ou après. Deuxième chose, la plus simple à faire, c'est de réduire la quantité d'eau. C'est-à-dire la boisson pendant le repas. Ok. Pendant qu'il est en train de manger. Oui. D'accord. Docteur, à ce sujet, l'eau se prend à quel moment du repas? C'est avant le repas, c'est au cours du repas, c'est après le repas? Parce que là aussi, beaucoup de gens se posent des questions. Hein. Il y en a qui disent non, on ne doit pas manger pendant le repas, il faut attendre 15 minutes après avoir fini de manger. Il y en a qui disent non, au cours du repas, au milieu, on peut prendre. Ou bien on dit non, on prend au début. À quel moment doit-on boire de l'eau quand on mange?
plusieurs cas se présentent. Premier cas, celui qui a une colopathie fonctionnelle, par exemple, ce sujet, lui, par exemple, ne peut pas boire de l'eau pendant qu'il est en train de manger, ne peut pas boire assez d'eau. S'il boit assez d'eau, il va se retrouver avec une digestion qui va commencer et ça ne l'arrange pas. Il va aller directement dans les toilettes. D'accord. Ce qui n'est pas du tout intéressant. Ok. Donc, du coup, il doit pouvoir faire des efforts pour éviter de boire de l'eau pendant qu'il est en train de manger. Ou soit de réduire la quantité d'eau pendant qu'il est en train de manger. Ça ne veut pas dire qu'il ne boit pas l'eau, mais il doit réduire pendant qu'il est en train de manger. Ou, deuxième choix, il peut boire de l'eau. Les gens qui, par exemple, veulent par exemple perdre du poids et autres, ils sont obligés de boire beaucoup d'eau pour éviter de manger assez, de bouffer beaucoup. Là, c'est un autre cas. Par contre, sur le sujet qui a une colopathie fonctionnelle, lui, s'il boit de l'eau, la digestion commence et ça peut ne pas l'aider. D'accord. OK. Troisième chose, c'est ce genre de colopathie. Il doit savoir que lorsqu'il a fini de manger, s'il s'élève un coup, comme son côlon est devenu long et ne digère pas correctement, c'est lourd et lent. Donc, c'est comme un serpent qui a avalé une souris. Donc, c'est lourd, il ne peut pas s'élever. Donc, du coup, s'il s'élève un coup, la nourriture risque de remonter. Donc, il va ressentir au niveau de sa poitrine des brûlures, au niveau de sa gorge, comme si la nourriture veut ressortir. D'accord. Troisième chose, c'est que ce sujet, par exemple, doit pouvoir éviter de boire, par exemple, ou bien éviter de boire des jus excitants, c'est-à-dire du café, par exemple. Éviter de boire le café pendant qu'il mange ou après avoir mangé, ou même réduire drastiquement le café ou le thé. Parce que ce sont des éléments aussi chélateurs de certains minéraux, c'est-à-dire ce sont des éléments même qui limitent aussi l'arrivée de certains minéraux, tels que le fer, par exemple. Alors qu'on nous dit que le café est bon pour la santé, le thé aussi? Bien sûr, il est bon pour la santé, bon pour le thé aussi bon pour la santé, pour des sujets qui sont sains. Des sujets qui sont sains, ils n'ont pas de soucis. Mais un sujet qui n'est pas sain, par exemple, si vous aviez eu un sujet qui a une colopathie fonctionnelle, lui, il a du mal à digérer. Donc, du coup, s'il boit un café qui contient déjà du sucre, qui vient s'ajouter à son repas, au lieu qu'il ça digère correctement, ça va fermenter. C'est ça aussi la différence des faits. D'accord. Mais s'il si ne met pas de sucre, s'il ne met pas de sucre dedans, s'il ne met pas de sucre dedans, il peut avoir un peu de chance si la colopathie n'est pas encore bien développée. Mais si la colopathie est très développée, en ce moment, ça devient encore un peu difficile pour le sujet. Parce qu'en réalité, ce sont des boissons qui agressent un peu l'estomac. Quand on le boit, on le sent déjà, qui agressent un peu l'estomac. Donc lui, déjà, son estomac est irrité. Ok. Donc, il ne peut pas les utiliser la précision, il doit réduire. La précision est détail. Hein. Voilà. Voilà. Faut savoir que ça existe. Il y a aussi des sujets qui, par exemple, doivent éviter les pains qui sont beaucoup remplis de gluten, c'est-à-dire des aliments à base de blé, qui sont remplis beaucoup de gluten, c'est-à-dire c'est une protéine qui est produite par le blé, qui est dans le blé. Et donc, les gens doivent pouvoir les réduire drastiquement, c'est-à-dire, par exemple, le pain blanc. Ils doivent réduire drastiquement. Ils doivent pouvoir manger des aliments qui contiennent un peu de fibres pour l'aider à digérer correctement. Ah, le pain blanc, c'est ce qu'on trouve partout, docteur? C'est ce qu'on trouve partout. En lieu et place, on prend quoi alors? En lieu et place, il y aura d'autres choses telles que les céréales qu'on a, du riz, maïs, mil ou autre, qui peut manger en termes de pâtes ou de bouillie. Pour ne même pas se fatiguer. D'accord. OK, je pense que on a beaucoup de solutions alimentaires et tout. Qui peut consommer facilement. D'accord. Alors, avant de poursuivre, on va déjà ouvrir le téléphone. Et puis, vos messages aussi peuvent nous parvenir. Allez-y, docteur. Aussi, il doit pouvoir essayer plus ou moins de tremper les légumineuses, c'est-à-dire les haricots, les petits pois, les soja, les pois de chine, il doit les tremper un instant avant de pouvoir les faire cuire. C'est-à-dire, il les met dans de l'eau
il prend au moins 5 à 6 heures de temps ou 7 heures de temps. Mm-hmm. Ça permet de ramollir les fibres qui sont dedans. D'accord. Et de ce fait-là, ça va lui permettre d'éviter les flatulences, c'est-à-dire la manière de rendre, de gonfler son ventre. Mm-hmm. Vous connaissez bien l'haricot, oui, et ses effets délétères sur la santé des sujets. Mm. Et donc, du coup, ils vont réduire les constipations et les ballonnements. Mmh. Voilà. Okay. Et donc, ça aussi, c'est un fait. C'est-à-dire, chaque fois qu'il doit manger de l'haricot ou des choses comme ça, il doit mettre dans de l'eau et perdre beaucoup de temps avant de pouvoir gérer la suite. D'accord. Je pense que voilà, tout ça sont des... Voilà. Des... Aussi, mmh, il y a ces petits gestes qui sont très importants qu'il doit le faire chaque fois que possible, pour éviter les flatulences, parce que ça fait très mal, ça brûle beaucoup. Mmh. Les flatulences, c'est quoi pour les auditeurs? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ce qu'ils ont mangé là, en train de remonter, ça brûle le ventre. Mmh. Quand on mange l'haricot, oui, un ballonnement qui brûle le ventre, mmh, vous aviez l'impression que c'est concentré dedans, dans le ventre, et qu'il y a de la poussière, si on peut l'exprimer ainsi. Le ventre est lourd. Mmh, d'accord. Voilà, voilà, le ventre est enflé, c'est lourd, lourd. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Il y a du vent, beaucoup de vent, et ça fait beaucoup roter, d'accord, et beaucoup d'épée aussi. Ok. On va prendre le premier, voilà, intervenant. Merci, docteur, pour toutes ces informations. Monsieur Kwame Konan Bruno. Oui, oui. Vous appelez de Bakanda, bonjour. Oui, oui, c'est moi. On vous écoute, monsieur. Bon, moi, je remercie le docteur. Vraiment, tout ce qu'il vient de dire là, vraiment, je suis très content. Parce que quand on mange, nous, ici, quand on mange et puis on commence de boire l'eau, tout ça là, bon, on se lève un coup, bon, on fait ce qu'on... Vraiment, donc, son conseil là, vraiment, je suis très content. Mmh. D'accord. OK. Voilà, donc, je lui remercie pour les conseils qu'il vient de donner. Merci beaucoup. Mmh. OK. Donc, merci. Bonne émission. Bonne journée. Merci d'avoir appelé. OK. Il y a un auditeur qui dit « Bonjour docteur, vous avez parlé du pain blanc, mais en lieu et place, est-ce qu'il y a un autre type de pain ?» Voilà. Je pense qu'il veut demander si, en dehors du pain blanc, est-ce qu'il y a un autre type de pain qu'on peut manger ou bien qu'on doit manger. Il y a les autres pains qui contiennent beaucoup de fibres, les pains de mie, mais c'est souvent un peu cher. Mmh. Les pains sont complets, les autres pains qui contiennent beaucoup de fibres qui sont intéressantes pour la digestion, pour les aider à mieux digérer. D'accord. Donc c'est déjà un bon élément alternatif pour voir de faire. OK. Donc, voilà. D'accord. Et ce sujet aussi, il y a aussi encore des conseils qu'on peut ajouter si le temps nous permet. Oui, on va prendre les intervenants qui attendent déjà en attendant. Ok, d'accord. Okay. Monsieur Zou Gervais qui dit il veut savoir si un homme constipé depuis plusieurs années, ce qui a entraîné une colopathie chez cet homme, est-il obligé de se faire opérer? Quelle solution? Voilà. On allait en arriver là parce qu'il y a des niveaux de sang-retour. Hmm. Dès qu'on arrive à un point culminant, il y a souvent sans retour. Mmh. Et ces gens seront obligés de se faire sectionner une partie souvent du côlon. Ça fait souvent, c'est dommage, mais c'est ce qui est. Et donc, la constipation de façon récurrente, sans traiter, arrive à là. Mmh. Et les solutions sont vraiment minimes. Soit il faut sectionner, ou soit, en tout cas, il faut faire une ablation, en tout cas, attacher. Ce n'est pas que ça soit long, parce que ça descend beaucoup long. Donc, il y a ce genre de choses qui arrivent souvent. D'accord. Donc, le traitement, il n'est pas qu'alimentaire, nutritionnel, non, mais non. Il y a aussi... médicamenteux. D'accord, chirurgical, tout ça. Mmh. OK. Mais avec vous, par la nutrition quand même, on peut... On peut contribuer. Uh-huh. On peut contribuer beaucoup par la nutrition. On peut contribuer beaucoup par la nutrition. Monsieur Abou Traoré, vous appelez de Korogo. Je salue mon docteur et vraiment avec tous les conseils qu'il vient de nous donner, je suis très, très, très ravi. D'accord. Maintenant, j'ai quelques petites préoccupations que je voulais le demander. Oui. Par exemple, après 50 ans, quel type de manger que nous pouvons prendre comme déjeuner, et comme petit déjeuner, comme déjeuner et comme repas du soir. Certains aussi conseillent pour la constipation de manger beaucoup de fruits. À quelle fréquence il faut manger les fruits?
avant les repas ou après les repas. Et à combien de temps de distance? Je vous remercie et bonne émission. Au revoir. Monsieur Traoré, merci beaucoup. Ça fait beaucoup en même temps. Oui, c'est beaucoup en même temps. D'accord. Donc, comme l'ai dit, ça, c'est la nutrition des personnes âgées qui nécessite aussi beaucoup d'informations. Peut-être on aura un autre temps pour le faire. Mais d'abord, il faut qu'ils mangent équilibré. Oui. Et les fruits doivent être mangés sous des repas. Surtout quand on prend de l'âge, à ne pas boire du jus de fruits ou des fruits en dehors des repas. C'est-à-dire prendre du sucre en dehors des repas, ça peut être néfaste pour la santé. D'accord. Qu'on peut résumer facilement pour lui. Oui, oui. Mais et à ce niveau-là aussi, et ceux qui disent « je n'ai pas envie de manger ce soir, je vais manger que des fruits », ça, c'est pas attention, bon? Attention. Les fruits dont on parle, c'est aussi du sucre. On parle de fructose, c'est du sucre. Et donc, la question n'est pas « je ne veux pas manger le soir, je veux manger des fruits ». De quels fruits parlons-nous? Si vous prenez des fruits qui sont beaucoup sucrés, c'est comme si quelqu'un mettait des carreaux de sucre dans de l'eau et puis buvait et dit « il ne mange pas aujourd'hui ». Vous voyez que là aussi, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, attention à ne pas confondre les choses. D'accord, c'est clair. On poursuit avec les éléments des réponses. Voilà. C'est bon? Donc, il y a aussi le fait que ces sujets-là doivent éviter beaucoup la viande rouge. Doit éviter la viande rouge et doit utiliser des poissons. Des poissons, surtout gras. Oui. Peut-être que les poissons qu'on connaît, les thons, les maquereaux, les sardines, les saumons, tout ceci. D'accord. Ils doivent éviter les aliments beaucoup frits. Okay. C'est-à-dire les frites, les poissons frits, les aliments frits qu'on a mis dans de l'huile. On doit beaucoup les réduire drastiquement parce que leur digestion est très difficile. D'accord. Donc, ça évite beaucoup de situations. OK. Donc, du coup, il faut les réduire drastiquement. Il y a aussi le fait que il y a vraiment beaucoup d'informations. Ces sujets doivent beaucoup mâcher l'aliment qu'ils mangent. Ben, il y a des gens qui ne mâchent pas bien la nourriture. Okay. Ils mettent dans la bouche, immédiatement, ils avalent. Ça ne se fait ils doivent pas. Mâcher bien les aliments pour pouvoir mieux les digérer, puisqu'ils ont un organisme qui n'arrive pas à bien digérer. Donc, mâcher bien les aliments. C'est-à-dire, les aliments doivent être broyés, bien broyés, les imbiber même de salive avant de les avaler. Prendre bien le temps de manger lentement, pour ne pas que l'organisme soit submergé et puis digérer difficilement. D'accord. Ces gens doivent manger plus tôt. Oui, manger plus tôt. Quelle heure? Donnez l'heure avant qu'on prenne quelques préoccupations. Au plus bas, 21h30. Au plus bas, 21h. Au plus haut, plutôt 21h30. Au plus. Ça veut dire qu'ici, là, trop tard, c'est 21h30. Pour ne pas qu'il aime plus de digestion. D'accord. OK. On va prendre deux préoccupations et puis on va s'arrêter là parce que nous avons pratiquement épuisé le temps. Oui. Monsieur Dongo Yao David Akun Faoudi, est-ce que... le fait de se purger, les lavements, comme en tant qu'Africain, est-ce que c'est bon de le faire? Purger, c'est ce qu'on venait de dire. Ça peut envoyer du vent dans le ventre. Oui. Il y a certaines personnes qui ne remplissent pas bien leur purgeoir. C'est-à-dire, il y a un peu de vent dans le truc et ils prennent. Oui. Et ça envoie du vent dans le ventre. En réalité, vous ne pouvez être constipé qu'à partir de ce que vous mangez. Donc, purger n'est pas une solution adéquate. OK. Le problème ne vient pas du fait que vous ne pouvez pas faire les sels, mais c'est parce que vous mangez mal que les sels ne viennent pas. OK. Voilà qui est clair. On va prendre M. Kofi Thomas de Boisflé. Oui, on vous écoute, M. Kofi. Oui, je voulais parler à docteur. Allez-y, monsieur. Bon, moi, j'ai un problème du sein. Oui. Voilà, c'est vrai, quand je parle, je suis beaucoup étouffé. Oui, voilà, allez-y, on vous écoute, monsieur. Dans le ventre, ça me brûle beaucoup. Voilà la raison pour laquelle je voulais demander à docteur. Quel conseil peut donner? Oui, docteur Aignan. Et tous les éléments sont les mêmes choses avec les mêmes groupes de colopathie. Mais malheureusement, les gens se lèvent un matin, disent « je ne mange pas le matin, je suis pressé ». Tôt ou tard, tu vas revenir. Parce qu'en réalité, la nourriture du matin est très importante. Et donc, les gens qui ont refusé de manger matin chaque fois, là, ils vont se retrouver avec des problèmes qui peuvent entraîner des ulcères. Il peut y avoir d'autres agressions qui peuvent le faire, mais le plus courant, c'est le fait de ne pas consommer les matins. Donc, il y a une décharge d'acide au niveau du
de l'estomac et ça entraîne des ulcérations et ça brûle et jusqu'à ce que ça devienne des plaies et que des microbes viennent s'asseoir dedans et entraîner, aggraver cette situation. Et donc, il faut manger le matin. Maintenant que l'ulcère est déjà là, il faut maintenant réduire des choses qui peuvent brûler. C'est-à-dire ne pas boire de l'eau glacée sans avoir mangé. Ne pas boire de l'eau très chaude sans avoir mangé. Ne pas prendre des jus de fruits ou réduire des jus de fruits sans avoir mangé. Docteur Aignan, pour aujourd'hui, oui. On va s'arrêter là. Donnez-nous le résumé. Qu'est-ce qu'on doit retenir concernant notre sujet du jour, c'est-à-dire colopathie fonctionnelle et nutrition? Oui, on doit retenir que tout un chacun a déjà un côlon et a un système de digestion aussi important et utile. Cependant, la manière dont nous mangeons peut entraîner des situations. Donc, pour éviter tous ces problèmes, il faut d'abord manger correctement. Manger pour être digéré. Après chaque nourriture, il faut prendre des fruits pour éviter d'être ballonné, d'être constipé et entraîner plus tard une colopathie fonctionnelle. D'accord. La colopathie fonctionnelle peut être traitée si et si seulement si vous rencontrez des spécialistes et à la fête, l'apport de la nutrition qui va jouer un grand rôle dans votre vie. Et votre manière de manger doit pouvoir changer pour aider votre traitement. Et si vous le faites ainsi, vous serez vraiment sauvé de la colopathie fonctionnelle qui est une anomalie, mais pas une maladie. D'accord, ok. Voilà qui est bien noté. Merci beaucoup à vous, docteur Aignan Kouakou-Vivien, pour toutes ces informations très, très importantes. Et nous espérons que nos auditeurs ont bien noté. Et qui vont mieux se porter. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Portez-vous bien.